Et bienvenue dans le boulevard de la critique. Alors cette semaine, nous sommes allés voir Parlez-moi de vous, un film de Pierre Pinault. Bonsoir et bienvenue sur Radio Amour. Jusqu'à 23h30, vous êtes avec Mélina pour nous conter vos confessions intimes. Et tout de suite, on accueille Ginette. Bonsoir Ginette. Bonsoir Mélina, j'appelle pour dire que mon mari, il aime bien me bouffer l'huître. Ah bon? Ah bah c'est bien ça. Ah ouais mais... Vous devez être contente alors. Ah ouais mais il dit aussi que ma perle, elle est flétrie. Ah bon? Ah bah c'est formidable ça. Mais non, c'est nul. Il tire dessus comme si c'était un vieux bout de caoutchouc. Ah oui, effectivement. Ah bah merci pour votre appel Ginette. C'était formidable. Mélina, célèbre animatrice radio, résout les problèmes de ses auditeurs, tandis que dans la vie, elle est complètement coincée au niveau social. Elle va alors partir à la recherche de sa mère, Joëlle, qui l'a abandonnée lorsqu'elle était enfant, et découvrir un milieu qui lui est totalement étranger. Et le jeune Lucas va tomber amoureux d'elle, malgré leur différence d'âge. Bonjour, je recherche Joëlle. Oh, vas-y, c'est toi la nouvelle là pour le bénévole? Oui. Salut, moi c'est Duchevel. Bonjour, moi c'est Mélie Naviar. Comme le caviar neuf. C'est très drôle. Ah, t'as vu, t'offusque pas. Je t'invite soir ce pour mon anniv avec les poteaux. Tu viens? Si c'est pour faire une tournante, non merci. Pierre Pinault ne soigne pas sa réalisation. Son long métrage pourrait être un téléfilm tant les cadrages sont médiocres. Et oui, et puis en plus, pendant toute la première partie du film, on se demande où ça veut en venir. L'intrigue nous est pas entièrement dévoilée, mais c'est mal rythmé et puis on s'ennuie rapidement. Voilà, je t'ai amené un peu mon travail, c'est toi? Ouais. Tu m'avais demandé de voir un peu. Voilà, ça c'est le genre de travail que je peux faire. Tu vois, j'ai fait des portraits. Wow, c'est toi qui as pris cette photo? Ah ouais. C'est toi qui as fait ça? Ouais. T'es super doué, ouais, non, c'est clair. Avec toi, c'est différent. Ce que je voudrais, c'est faire un travail un peu, tu vois, plus artistique. Genre un peu... T'as pas peur de la nudité? Viens, on va dans l'arrière-boutique, on va voir un peu qu'est-ce que tu donnes, quoi. Bah, tu me prends pour qui? Sale petit con, va. Au niveau des comédiens, c'est en dents de scie. Alors, Nadia Barentin, c'est pour moi la révélation du film. Elle joue Joëlle, la mère de Karine Viard, et elle est excellente, brute de décoffrage, alors que Karine Viard, en animatrice radio, elle manque de crédibilité. Ah non, mais ça va même au-delà de ça, c'est qu'elle joue carrément faux. Lors des séquences d'émotions, de surprises et de psychorigidité, elle tient pas du tout sa partition, elle est pas convaincante du tout. Sauf peut-être à la fin, où elle maîtrise un peu mieux le sujet. Alors c'est vous, Joëlle. On vous a jamais dit que vous aviez la voix de la salope à la radio? Non. Mais si! Tu sais, là, celle qui a dû sucer un paquet de saucisses pour en arriver là où elle est. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que vous en savez d'abord? Oh mais oh, gamine! C'est comme ça que ça se passe dans le milieu, maintenant. Joëlle. Vous êtes ma mère. Hop! Putain, mais c'est pas vrai! Chire de mouche! Les gamins, c'est de la merde! Moi, je me casse, moi! Il y a tout de même de bonnes choses dans ce film. Tout d'abord, la confrontation entre l'image que l'on donne de soi et ce que l'on est réellement dans la vie. Et puis, la séquence de fin entre la mère et la fille, totalement surprenante, hors des sentiers battus. Malheureusement, on a du mal à croire aux relations tissées entre les personnages. Notamment, Nicolas Duvauchel qui tombe amoureux de Karine Viard, c'est complètement invraisemblable. Et puis Karine Viard avec sa mère, moi, j'ai pas trouvé ça crédible non plus. Somme toute, Parlez-moi de vous n'est pas complètement raté. Mais par rapport à l'éloge qu'il a reçu dans la presse, nous avons été sérieusement déçus. T'as le physique, après c'est toi qui vois. Avec un Nikon, hein. On bouge ou quoi?